Salut tout le monde, c'est Nana et aujourd'hui on se retrouve sur Neptunia. Alors là, comme vous avez dû le remarquer, récemment il n'y a eu que des épisodes de Chrono Trigger. La raison c'est que lors du tournage du dernier épisode de Neptunia, le PC a crash et donc une partie de l'épisode a été corrompue. La dernière partie. Donc je vais reprendre à partir de là, normalement c'est bon. Et il y a aussi le fait que j'avais pas trop le temps et que Neptunia c'est un peu compliqué puisqu'il faut traduire. Donc généralement j'aime pas trop puisque ça fait des épisodes moins dynamiques. Mais bon, je l'ai commencé, je l'ai fini et puis franchement j'aime bien ce jeu. Donc où est-ce qu'on en était? Et donc si ça arrive, on va blesser Chan et les autres plus qu'ils n'en ont besoin. On va d'abord. Occupons d'abord du travail que nous a fourni Chan. Et on va faire ça étape par étape, ok? C'est longtemps que j'ai pas traduit. C'est hasardeux. Je suis de retour. C'est pas comme si quelqu'un allait m'accueillir. Chère déesse, nous avons fait mention plusieurs fois du fait que vous ne deviez pas aller dehors toute seule sans nous prévenir. Ah, ils vont même plus m'appeler par mon nom. Ou quand je suis, c'est ma décision. Oh. Êtes-vous en train d'essayer de m'enfermer? De que je m'assoie ici et que je sois belle comme une fleur? Ouais. Non, c'est pas du tout ça. Nous sommes juste inquiets. Bon. Je vais vous laisser le bénéfice du doute. C'est-à-dire que vous dites ce que vous pensez, ouais. Moi je pense pas pouvoir faire mieux. Bon, est-ce qu'il s'est passé quelque chose pendant que j'étais parti? Non, rien en particulier. Comment ça, particulier? Donc quelque chose est effectivement arrivé. C'est vraiment rien, ça n'a aucun intérêt de vous le rapporter. C'est un ordre, parle de ce petit quelque chose. Trois jeunes filles sont venues pour vous voir et ont causé une petite commotion. Je sais pas si commotion c'est dit en français. Non, c'est tout. Sont venues pour me voir? Décrivez-moi ces trois filles. Une des filles était Neptune, quelque chose comme ça. Genre, personne va arriver à prononcer son nom, c'est dingue. Est-ce que vous avez dit Neptune? Une fille avec des cheveux violet clair et des cheveux en pétard? Oh, so, Neptune.
Neptus. Neptu. Neptu. Oui, je suppose que c'est cette Neptu. Enfin bref, vous avez entendu à quel point il galère comme pas possible pour dire un nom. Oh, cette tête. Oh, c'est magique. Le mec, il... Attends, c'est censé être un prêtre en face de sa déesse, il n'arrive pas à prononcer un nom. Vous êtes incapable de le dire correctement, n'est-ce pas? Solo Nepu Nantoka to yu shoujo desu ga, tashika ni mitame mo sonda kanji datta ki ga shimasu. Alors, la nep quelque chose correspond à ce que vous me décrivez. Est-ce que vous la connaissez? La connaître, c'est plus que ça. Qu'est-ce qu'elle pense à venir me visiter ici à la station? Est-ce que vous allez les rencontrer? Je pense que c'est totalement futile. Qu'est-ce que tu racontes? Il semble qu'elle a perdu sa mémoire. C'est pour ça qu'elle est venue vous voir. Une perte de mémoire! Ou une amnésie, ce qui serait plus correct, mais on s'en fout. Est-ce que c'est à cause de cette bataille? Si c'est le cas, ça pourrait expliquer beaucoup de choses. Madame. Si je combats Neptune avec sa mémoire, est-ce que je serais capable de la battre? Mais sans sa mémoire, je pourrais être capable de gagner. Et si je peux battre Neptune, je pourrais regagner mon influence sur la station. Très bien, il est temps de faire une visite à Neptune. West Wind Valley. Oh, ouh là là, un petit dialogue que j'avais loupé. Oh, le manuel. Qu'est-ce qu'il y a à nous dire? Tiens, je te donne ça. C'est un disque vierge pour mettre des chips. Enfin, pas des chips, c'est des puces, voilà. Chips seulement. Cassette de... Ok. Je sais pas si j'en ai déjà. Hop. Sir Tochi. Ok, un plan pour invoquer des ennemis plus puissants. Je suis inquiet à propos de Game Industry. Ok, donc les classiques, le chat. T'as plan pour changer les items que tu peux obtenir dans un donjon, découvre. Découvre ce que tu vas obtenir avec ça, Nia. Nia. Ok. Disque développement. Il y en a déjà fait un. Bon. Est-ce que je peux faire un truc RPG? Ouh, très intéressant. Effréner. Ok. Et voilà. Donc, où est-ce que... Ouais, équipé. Non, Nep, oui, j'en étais sûr d'avoir déjà équipé ça. Non. Cette touche. Ah, voilà. Donc, il n'y a plus la configuration des touches. Et ça fait quoi, data défense?
Ok. Sur Elfi, pour une raison particulière, le X et Charge, je vais le mettre à L. Ensuite, on va peut-être faire modifier les commandes. Garder tout est en ordre. Ok, j'ai connecté un toquet. Je sais pas poison, pourquoi il fait moins. Enfin, il fait moins, mais il fait poison. Peut-être une bonne idée d'essayer de poisonner l'adversaire. Ok, et donc Elfi, elle va faire un changement. Parce que à partir de maintenant on va avoir besoin qu'est-ce qui est le moins important, le power ou le break? Le break est moins important. Voilà, parce que maintenant qu'on est débloqué, la jauge exigée, il faut qu'on la remplisse. Et on n'a rien d'autre. C'est étrange. Il semblait qu'on avait débloqué un donjon. Ouais, c'est étrange. Il y avoir un problème avec la sauvegarde. Tellement longtemps. Enfin bref, il me semblait que dans un épisode on avait fait des plans. Enfin voilà, les écarivines. Et je peux pas faire ça. Ok. Donc voilà, un nouveau donjon. Je sais plus. Il me semble que j'avais fait ça en épisode. Je sais pas pourquoi il y ait plus. Donc, évidemment. Items et des monstres. Bon, par contre, le fait est que à la fin de ce donjon, on va devoir battre Moir. Et le problème, c'est que pour la battre, faut être au moins niveau 10. Et on est qu'à 12 minutes. Donc, on va faire une petite exploration de ce donjon, tiens. Histoire de grappiller quelques petits niveaux. Avec les petits lapins. Trop tard. Hop. Truc de son. Ouh. Ouh, ça fait mal. Ça fait mal. Healing grass. Ça sera suffisant. Ouh, ça y est un peu. Ok, alors est-ce que je peux choper les deux? Ah voilà. Oh, il reste que dalle. Regardez. Et hop. Re tout le monde. Bon, c'était rien. C'était juste un bug. Franchement, j'ai réussi à régler ça. Normalement, tout va bien maintenant. Ah, il a respawn. C'est interdit de respawn quand je suis à côté. Ah, plein d'avoir des coffres. Oh, une couronne. Bon, c'est pas tout ça, mais le but, c'était de farmer un peu. Des petits ingrédients. Alors. Alors normalement à ce passe. Merde, j'ai oublié de rechanger les commandes, c'est pas grave. On fera après.
Alors normalement ça passe. Voilà. Ouais, bouton. Oh, tu l'as mis. Il est juste devant toi. Ouais, il reste un PV. Et bah tiens, level up. Cool. Faut que j'en change. Mauvais bouton encore. Ah, je vous jure. Alors, commande. Je ferai tout ça, mais je vous ai dit, faut la remplir. C'est vital. Toujours pas. Voilà. Il n'y a rien d'autre. Ok. Allez, non. Le pouvoir de racine de 2. Ce qui n'a aucun sens. Bon, enfin, dans un donjon comme ça, il n'y a pas vraiment de boss. Je n'ai pas trop d'intérêt normalement à farmer les XZ. Le prochain donjon, d'ailleurs, avant de se faire noir, on va essayer de faire l'ancien dragon, puisqu'il y a un... Cool. Un skill, on va d'abord aller par là. Compa peut maintenant soigner là le poison, je crois. Un petit booster. Ouh, on a eu un nouveau donjon. Oh, une araignée. C'est pas un ennemi, il est juste là pour faire joli. Par contre, il y en a un juste là. Il nous a vu. En gentilisation, faut pas trop essayer de faire la symbolique attaque, sinon il nous. C'est bon, on dirait des prisonniers. Avec leur petite queue qui ressemble à des poulets et leur pelage rayé. Vous pouvez voir lorsque je fais ça. En plus, comme elle a le disque qui augmente le gain déguisé et jauge, tu vas lire, et bah, elle augmente plutôt rapidement, ce qui va nous être parfaitement utile. Contre noir. Oh, tu l'as encore mis. Hop, on s'en va. J'ai trop tard. C'était quoi ce one shot là? Et oh là! Pourquoi il y a du one shot dans l'air? Ça y est, je vais pouvoir terminer. Oula, j'ai eu peur qu'il me recrache entre les doigts lui. Maintenant on a des fous joueurs. Et qui se file. Oui, il faut quand même que. J'en ai quand même un. Ok. J'ai le temps de tout parce que dans ce jeu, Start, ça ouvre pas le menu. Start, ça ouvre la map, ce qui est très logique. C'est pas tout, mais on est là pour farmer l'XP. Qui doit pas être très intéressant en vidéo. Et ton équipe ne sert à rien. Pourquoi il y a des petites prises? J'espère que ça vous gêne pas. Hein. Je peux pas vraiment faire mieux là. Ah! Vous me bloquez le chemin! Non mais c'est pas possible. Ah, j'ai tel genre de situation. ね。
Cool. Un level up, c'est ce qu'on recherche. Oui, c'est bon. Cette fois, ils sont trois. Bon, le problème, c'est que à cause de ça, maintenant, parce qu'il faut plus charger les niveaux, ça sert plus à grand chose. Allez, Nep, je suis sûr que tu peux avoir les trois. Cool, la garde est posée. Bon, là, la garde ça va, mais pour les boss, c'est pour les boss, c'est vraiment gérer la garde, c'est vraiment quelque chose de très important pour les boss. Parce qu'en plus, il y a pas mal de boss au niveau supérieur qui à chaque tour régènent leur garde. Donc, c'est horrible. En plus des boss qui régènent la vie directe. À chaque tour, à chaque fois qu'ils attaquent. Ouh. Alors ça c'est fou parce que sur la carte tu vois que c'est un mini boss, tu vois que c'est un boss, mais il a exactement le même skin que les autres. Et ça c'est fourbe. Bon, et étant donné que la jauge est pleine, on va essayer. Est-ce qu'il est tout seul? Ah, vous voyez là, il régène. Ok. Je sais plus si Nep a déjà l'Exedrive. Ah oui, c'est vrai. Ok, là, c'est 5 PV. Est-ce que... Non, Nep l'a pas. Ah bon, c'est pas grave, on va essayer. Briser la garde, il n'y a pas l'air d'en avoir tant que ça. Et toi, tu te soignes. Soigne toi-même. Putain, le son il bug un peu parfois. C'est encore ton tour. T'attends toujours pas, non. Et bah... Putain, lui fait rien. Non. Ne one shot pas la seule qui a l'Exedrive. Ah, ici, t'es beau. Pourquoi tout le monde te vise? On va essayer de faire les drives une fois que sa garde sera. T'as fini de te faire one shot. Désolé pour vos oreilles. Hein. J'ai dit que pour le bain, il faut que fasse ses drives avec sa garde. Évidemment, il la regarde. Oh, ça va être compliqué. Je crois essayer de faire les drive, mais comme c'est aussi Haifi qui la monte. Ouh, attention là, attention. Ça chante pour où dangereux. Et il est effectivement dangereux. Haifi commence le one shot alors que Compa elle a résisté. Voyons voir. L'ordre. Compa, Haifi, Nep, Haifi, Compa. On va tenter le tout pour le tout. Yes, c'est passé. Nickel. Hein? T'as pas d'Exedrive? Mais elle n'a pas encore l'Exedrive. Ah, c'est problématique. On va... Fuite! Fail! Non! Nep! M'abandonne pas! Non, vous venez! Fuite! Non! Fuyons! Fuyez pour vos vies! Non! Nep! C'est la fin! Comment ça? Je croyais qu'Haifi avait les petits drives. Il me semble qu'au moins elle l'avait, c'est la première à l'obtenir. Ah! C'est la fin. Ah, c'est la fin, on retourne au menu.
Bon, je pense que c'est là-dessus qu'on va terminer l'épisode sur un bon gros fail des familles, hein. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas terminé l'épisode sur un fail, depuis une Mystic Quest, je crois, au début je mourais en boucle. Bon, sur ce, hein, comme à mon avis, cet épisode va sortir peu de temps après la rentrée, normalement, j'espère. Je vais essayer d'avoir un rythme de vidéo un peu plus régulier, donc s'il vous plaît, soutenez mon retour avec évidemment un like, un commentaire s'il vous plaît, hein. Franchement, il n'y en a pas beaucoup. Franchement, n'hésitez pas à donner votre avis, marquez ce que vous voulez, et à partager la vidéo puisque c'est évidemment le plus important car c'est ce qui fait connaître la chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine.